Nous allons vous parler d'un acteur que l'histoire du 7e art n'a pas vraiment retenu, et pourtant. Paul Hubert, c'est le nom de cet acteur, un Bruxellois d'origine. Il a joué dans une trentaine de films, mais c'était il y a bien bien longtemps. Très très longtemps, au début du siècle passé même, Paul Hubert était une star du cinéma muet. Aujourd'hui, c'est son petit-fils qui vous le présente, reportage. Je m'appelle Stéphane Van den Heede, j'ai 42 ans, je travaille dans le secteur du commerce équitable. Je suis l'arrière-petit-fils de Paul Hubert, acteur de cinéma muet dans les années 20. Mon grand-père est né dans les Marolles à la fin du 19e siècle, en 1889. Et très rapidement, vers l'âge de 13 ans, il va entamer une carrière comme figurant à l'Alhambra et puis il deviendra jeune premier. Et au moment de la Première Guerre mondiale, il va passer à Paris où il va interpréter pendant près de 15 ans une trentaine de films dans le cinéma muet. Ce fut entre deux saisons que notre comédien fit pour la première fois du cinéma. Ce fut avec monsieur Clément Maurice dans le premier film du scénariste Léonec intitulé L'inutile sacrifice. Et chose rare pour l'époque, le film passa en Amérique. Et puis d'autres films encore, avec quelques bons films comme L'ombre du passé, Loin du foyer, La petite princesse de Rodez, Marion Delorme. Un jour, il fit la connaissance de Diamant Berger, pour qui il tourna Debout les morts. Dans la famille, Paul Hubert, on savait qu'il avait été acteur, qu'il avait joué dans les cinémas muets, mais on n'avait aucune trace, on n'avait aucune image, on n'avait pas le moindre souvenir de cela. Et donc c'est par hasard, en faisant des recherches sur Internet, que je suis arrivé à retrouver sa filmographie et à retrouver au moins un film qui a été transcrit sous support DVD. C'est un film mythique qui a été adapté des dizaines de fois par les plus grands cinéastes, qui a été interprété par les plus grands acteurs de toutes les époques. Et ce film, c'est Les Trois Mousquetaires. Mon grand-père, il joue un rôle tout à fait particulier dans la deuxième partie du roman. Donc Milady part en Angleterre pour assassiner le duc de Buckingham et elle est emprisonnée dans une tour par son beau-frère. Et Felton, c'est le rôle de mon grand-père, Felton est responsable de la prison, il est séduit par Milady. Et ils réussissent à s'évader tous les deux de la tour. Et donc il y a cette scène qui évidemment est assez magique, de l'enlèvement de Milady dans la tour. On les voit descendre en rappel à une quinzaine de mètres, etc. Et puis de là, ils se séparent au bas de la tour. Lui va tuer Buckingham et elle retourne en France où elle va connaître le destin que l'on sait. C'était magique à plusieurs titres parce que c'était à la fois un arrière-grand-père disparu qui revient dans notre vie comme ça du jour au lendemain. C'est la magie du cinéma muet qui est tout à fait particulier pour les enfants. Et enfin, c'est la magie du film Les Trois Mousquetaires qui est merveilleux et qui raconte une si belle histoire à la fois pour nous et à la fois pour tous les enfants. Et c'est Christine Mazuy et Renaud Gilles qui vous ont proposé l'histoire de ce grand-père pas comme les autres. Paul Hubert, qui pour info a arrêté sa carrière, notamment à cause du passage au cinéma, parlons. Et puis il arrive aussi que... Je vais y arriver, décidément, aujourd'hui. Oui. Et puis